en train de lire quelques articles là, et apparemment, la communauté scientifique est loin, loin, loin d'être unanime quant à l'efficacité et l'utilité du confinement. Ce serait quand même con qu'on soit en train de faire tout ça pour rien. Si un jour ils nous disent que je me suis déguisé en livreur Deliveroo pour rien du tout, oh comment je vais me vénère! Oh le bordel! Oh! La reprise. Les amis, ne courez pas avec Valentin Lucas. Sous aucun prétexte. Je répète, sous aucun prétexte. Qu'est-ce qu'on prépare encore là? Qu'est-ce que c'est que ça? Les amis, je viens de découvrir un truc un peu cocasse et j'hésitais à vous en parler, mais j'arrive pas à m'en empêcher. Vous savez que je me prends pas mal de reproches vis-à-vis de ma dernière vidéo, et voilà, c'est ok, j'ai pas la même opinion que la majorité sur tout ça, mais je fais pas de politique, donc je m'étends pas là-dessus, je continue à faire mes vidéos, et puis tant pis. Mais du coup, je me suis intéressé un petit peu au profil des gens qui m'avaient envoyé ces reproches, et je suis remonté par curiosité dans leur conversation. Et je suis remonté au moment d'avant le premier confinement, quand j'ai eu une petite controverse, parce que je me suis équipé pour me protéger et protéger les personnes âgées qui m'entouraient. Et j'ai acheté des masques. Et nombreuses sont les personnes qui me reprochent aujourd'hui de faire la dernière vidéo, qui m'ont envoyé à l'époque le message type « Mais Bastos, il y a quoi que tu comprends pas dans les masques? Ça sert à rien. » The sea ice disappearing, so South Georgia's future is far from certain.